tout serein. Voilà les bancs des remplaçants de la République démocratique du Congo. On retrouve des garçons. Voilà le président Dembélé, des membres du comité exécutif de la CAF avec les Congolais. Voilà. 3 minutes du temps additionnel. J'espère que les Nopales ne vont pas se faire remonter quand même. Hein. Ça sera scandaleux. Ils ne vont pas se faire remonter. Je n'espère pas. Ils doivent rester très concentrés. Mais il faut quand même dire tout de même une chose. Tout est à l'honneur de la direction des sports de la RTNC, dirigée par François Kaboulou-Mwana-Kaboulou, qui a préparé ou qui est en train de préparer cette relève. Il faut le dire sincèrement, une première finale, ça n'arrive pas tous les jours. On va laisser suivre cette action, François. Poutou Trésor, le magicien, l'artiste Mpoutou, qui a mis le ballon dans le décor. Ah oui, maintenant on regarde les chronos, il reste 2 minutes 45 secondes. Barack Obama, Mutubile Santos, vous pouvez tout dire, on juge un entraîneur par les résultats. Ah oui, il a fait un bon résultat, il a qualifié l'équipe en battant d'abord les Camerounais. Vous savez, les Léopards sont arrivés ici en super favori et c'était la cible principale parce que éliminer les Camerounais en aller retour, maintenant les gens sont convaincus que ce n'était pas de l'aventure, c'était très très sérieux. Mais... François, en fait, aussi à souligner, c'est que Santos Mutubile n'a pas eu de trophée africain en tant qu'athlète, mais là, quand même, il ramène un trophée au pays en tant qu'entraîneur. Non, il a joué la finale, hein, Coupe d'Afrique, hein, Coupe de Club Champion, avec l'équipe de l'AS Dragon. Lofo, des petites minutes à jouer, bien joué. Ah, finalement, les magiciens, ce sont les Congolais. Hein. Mabele, allez, le Dada, comme on appelle chez nous, Dada. Voilà. Kimwaki, Miyayo. Et pourquoi pas un petit troisième but, n'est-ce pas, pour bien se venger. Hein. Ça peut bien Dioko, faire. Kael Touka Dioko, on va voir. Attention, il vaut mieux garder le ballon dans le camp adverse. Kael Touka Dioko, qu'est-ce qu'il va faire? Il obtient un corner. Voilà un garçon intelligent. Ami sportif de la République démocratique du Congo, il reste une minute à jouer. Ici, au stade où Fête Boigny, Mabele. Félicitations. Il demande aux joueurs de se soulever. Maintenant, c'est le corner qui est joué, récupéré par Bedi. Bedi Mbenza pour Mputu Trésor. Mputu Trésor qui revient. Qu'est-ce qu'il va faire? Lofo. Lofo Bongeli, qui a fait une très très bonne canne. Kassongo Ngandou. Oh là là, les Ghanaiens. On le fait promener maintenant. Complètement perdu. Les artistes aujourd'hui ne sont pas reconnus. Kimwaki, qui a l'habitude de monter. Non, il était déséquilibré. Il était déséquilibré. Alors qu'il ne reste que 30 secondes à jouer, amis sportifs, ici au stade où Fête Boigny, d'Abidjan. Mais les Ghanaiens n'ont pas dit leur dernier mot. Peut-être que dans la 30 dernières secondes, ils peuvent revenir. Ça serait un miracle. Ayew, qu'est-ce qu'il va faire? Il demande à ce tous les jeux ghanaiens complètement désorganisés. Il faut laisser partir le ballon. Et voilà Mabele pour son gardien de but. Amis sportifs, ah oui, une victoire tout à fait méritée. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Kidiaba qui joue avec Mabele. Mabele pour Mputu Trésor. Mputu Trésor, qu'est-ce qu'il va faire? Démonstration de footballeurs congolais terminée. Oh, la République démocratique du Congo, champion d'Afrique après 1968, après 1974 en Égypte. La République démocratique du Congo remporte les premières chans. Merci au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le numéro 1, les premiers sportifs. Merci également au Premier ministre Adolphe Muzito, à l'ensemble du gouvernement pour les efforts consentis, tant au niveau des primes de Léopard qu'au niveau des positions des commentateurs en direct en faveur de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Merci également à notre conseil d'administration. Merci au ministre Lambert Mende qui n'a pas hésité un seul instant pour trouver des solutions financières et techniques aux problèmes posés. Merci au comité de gestion de la RTNC avec les très sportifs et Kipolongo Mukambilwa qui a toujours résolu tous les problèmes de la direction des sports. Merci également au DGA Kabila qui fait un très, très bon travail. Comment oublier les techniciens de Centre d'Mbinza, des téléconsultes qui nous ont toujours assistés. Comment oublier à cette occasion tous nos techniciens qui sont Onodal des amis. Ah oui, c'est pas vrai. On est émotionnés. C'est pas vrai. La Coupe à Kinshasa, nos amis de CDM Lobota qui se sont battus, la direction des sports, la direction des programmes, avec Passi Samba, c'est une joie énorme. François, sincèrement,
les monuments que nous pouvons que remercier sincèrement tout le monde, à commencer par le premier sportif du pays. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo à travers les léopards puisse enlever ce sacre continental.